Moi j'étais à Cannes. À Cannes ? Ouais, d'accord. En fait, j'étais à Cannes, je m'entraîne à Cannes, donc j'ai pris l'avion. D'accord, tu t'entraînes à Cannes à l'année ? Ouais, c'est ça. Le climat plutôt cool ? Ouais, plutôt sympa pour s'entraîner, ouais. Mieux qu'ici, on va dire. Tu m'étonnes. Ouais. Ça va le trajet, ça a été ? Le trajet, ça a été, ouais, en avion et tout, nickel, ça a bien passé. Ça se fait rapide. Physiquement, ça va, nickel. Non, ça va sur des petites distances comme ça, non, y a pas de souci. On est habitué, ouais. On est habitué à faire des allers-retours en avion, donc non, là, ça va. Confiant, là ? Ouais. Ça court. Que tu viennes du coup ? Moi je suis d'ici, moi je suis venu en trottinette, j'habite à 10 minutes là. D'accord. Je m'entraîne au CNE. Ah oui, ok. Donc à l'année je m'entraîne là-bas et là j'ai mon appart à Boulogne, donc je suis plutôt bien. Ok, d'accord. Ouais, parce que tu es une des recrues de la Vierge Primrose cette année. Ouais. Ouais, avec du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, toi aussi. Ouais, c'est la première année, moi c'est via Xavier Pujol en fait qui est venu travailler à Cannes. Ouais. Et donc voilà, on m'en a parlé, éventuellement je peux essayer dans le club, donc moi ça tente direct. Ouais, d'accord. Et ouais, c'est la première année du coup. C'est une sorte de préparation juste avant de faire la pré-saison. Ouais. Donc voilà, c'est sympa en plus, il y a une bonne ambiance. Enfin moi personnellement je suis content de jouer pour Bordeaux. C'est ouais, c'est ça. On a une bonne équipe et tout, donc c'est cool. Ouais, parfait, merci. Génial. Ça va être sympa et on va essayer de faire des bons matchs, des bons trucs. Ouais, tu sors d'un titre, c'est cool. Ouais. Ça a été une super semaine pour toi. Ouais, à Rouen, ouais, j'ai gagné, c'était une super semaine. Bon, c'était à la maison en plus, donc c'était super cool. Et là, j'ai coupé un peu et je me suis rentré là juste avant de venir. Donc c'est bien. Là, on va s'entraîner. On va s'entraîner, après je pense qu'on va aller à l'hôtel. On va aller à l'hôtel et demain, je crois que la rencontre démarre à 10h. 11h. 11h. Le mec il vient renseigner, c'est bien. Ouais, c'est 11h, je vais vérifier. Mais Ah, t'es pas sûr non plus ? Non, je suis pas sûr non plus. Bah, tu m'as mis le doute. Moi j'étais ce week-end au TCP là. Ouais. Et c'était 11h là, le premier match. Ouais, je vais vérifier, mais je crois que c'est 11h. Genre, tu m'as mis le doute avec 10h, mais je crois que c'est 11h. Ouais, non, c'est 11h. Donc, on va voir. Après, tu peux venir à 10h, tu peux. Ah, ça m'arrange, j'ai une heure plus de sommeil, moi ça me va très bien. Ah, bah, moi aussi. Je réveille à 7h. Ouais, ça va piquer. Ah, vous avez chauffé avant ? Bah ouais, faut déjeuner, petit réveil musculaire. Ouais, je me réveille en général trop. Ouais, enfin ça dépend. Si je joue le matin, je me réveille 3h, 3h30 avant le match. Et derrière, je suis en warm-up physique. Pendant une demi-heure, je fais des exercices pour de la mobilité, un peu de vélo, des trucs comme ça. Petit échauffement tennis. Et après, voilà, je mange un petit truc et puis après, il y a le match. Je mange des œufs, pas mal de fruits, du pain, assez classique quoi. Assez classique, mais j'essaie de bien manger quand même parce que c'est important. J'essaye de faire attention, mais bon, c'est pas évident, mais ouais, j'essaie quand même de faire attention. Bon, les objectifs là, capitaine ? L'objectif, c'est de se faire plaisir. Je crois que ça, c'est beau ça. Tout le monde en fin d'année, on est tous un peu fatigués de la saison. Donc voilà, prendre du plaisir ensemble. Alors gagner, c'est mieux. Effectivement. Mais déjà, ouais, je me souviens que l'année précédente, à chaque fois en fin de saison, on était un peu tous cuits. Donc voilà, il n'y a pas trop de pression, même si une fois qu'on est sur le terrain, on a plus envie de gagner, évidemment. Mais déjà, si on peut donner ce qu'on a à donner, sans se prendre la tête plus que ça, se faire plaisir en équipe, voilà, on va commencer à se connaître un petit peu. Et passer 15 jours ensemble, sympa, je pense que c'est surtout ça qui est important en match par équipe. On est toute l'année un peu tout seul dans notre coin, donc là si on peut avoir une bonne petite ambiance entre nous, se supporter et puis se faire plaisir sur le terrain, et gagner de préférence, mais c'est bon, c'est vrai qu'on est tenant du titre, même si c'était il y a 2 ans. On a ça à défendre. Mais on est tenant du titre, alors bon, voilà, on va voir déjà, chaque jour suffira, ça peine. Là, les terrains ils sont sur dur, c'est ça ? Ouais. Et avec la Primrose, c'est sur terre. Le changement, qu'est-ce que ça va être ? C'est des merdes, hein. Ouais. Chacun sa merde. Chacun sa merde, voilà. Ouais, d'accord. Non, ça va, parce qu'à Bordeaux, ils sont quand même assez rapides. Mais bon, tous, ils savent jouer sur terre, sur dur, donc l'adaptation, elle se fait rapidement. Après, c'est toujours mieux d'avoir un ou deux jours de plus pour nous, pour se préparer. Comme ça, parfois, il y a des mecs qui arrivent de dur et qui limite jouent de direct le matin. Hey ! Et voilà. Hey ! Ça va ? Bonjour. Et ouais, on est encore sur terre avant d'autres. Ça va, mon Jim ? C'est pas le numéro du Go que je rajoute dans le groupe WhatsApp parce que je suis rendu compte que j'ai oublié de le mettre dans le. Ah putain, mais oui, je me disais, il parle jamais. Ça va ?
Ça va, JB? Je me disais, putain, ouais. Il a pas envoyé un message. Ouais, je te vois que j'étais pas trop sur mon tel. Ouais, mais bon, j'ai vu donc je suis là, t'as vu? T'étais là quand même. Ouais, non. J'ai eu un doute du coup si t'allais venir ou pas parce que je savais pas. Non. Alors, bien, ça va? Ouais, écoute, nickel. T'as fait plein de cœur? J'ai pris l'avion. Ouais? Ouais, je suis arrivé en début d'après-midi. Un petit Lyon. Non, j'étais à Nice, moi. T'étais à Nice? Enfin, à Cannes, quoi, je m'entraînais à Cannes. Ah ouais, d'accord. Ouais, ouais, j'étais là-bas, ouais. J'ai fait Nice, Nice, Paris, ouais. Ça fait 4 ans qu'on n'avait pas dû jouer ici. Ouais. À l'époque, on jouait chaque année, on jouait là, ouais. Quasiment, et on jouait dans les bulles, tu sais. Dans les bulles sur terre. Sur terre, ouais. Ouais. Tout ça, c'est nouveau, ouais. Ça, il y avait quoi alors avant ici? Il y a un peu vétuste, pour ne pas dire. Et là, ils ont fait le terrain. Ça, là. Donc tous les cours là, ils existaient là il y en a 6 là où. Ouais, 5 ou 6 terrains couverts, le clubhouse, le restaurant, les vestiaires, ils ont tout refait là. C'est Nantes, Bordeaux, après c'est quoi? Saint-Etienne. Lyon. Ah bah ouais, Saint-Etienne-Lyon. Ouais. Ah, c'est bon ça. Mais avec Puge, on s'est bien insulté sur des foot, des trucs comme ça. Après, il y a Benoît à Marseille. Benoît à Marseille, bon, on a toutes les équipes là, ok. On a. Pour Brest. On va en voir sur le terrain, faire le tennis ballon, c'est tradition à. À Primrose, Villa Primrose, si tu joues pas au tennis ballon, t'as pas le droit de jouer pour le club. Ça va et toi? C'est très beau. C'est très beau, j'ai l'impression que ça va surtout très vite. Ça va vraiment très vite, je pense. Pourtant, tu vois, la matière a pas l'air. Mais ça a l'air d'aller vraiment. Ça a l'air d'aller très très vite. Mais pour le tennis ballon, ça sera très très bien. Ouais, ça sera la bonne vitesse. En plus, regarde. Un peu trop rapide pour un Lyonnais, peut-être. Tu vois, un peu. Allez, pas la suite, ça y est, ça commence. Là, c'est donc première rencontre. Tout le monde se retrouve, mais même tout le monde fait connaissance parce que beaucoup de joueurs qui ne se connaissent pas. Comme par exemple Ruben Bevelman, c'est avec, je pense, Kyrian et Hugo. Et mine de rien, c'est vrai que moi-même, on s'est rencontré qu'une fois avec Kyrian. C'était sur le tournoi d'Aix-en-Provence. Donc, c'est vrai que c'est sympa, c'est la prise de contact. Le plus important dans l'équipe, c'est tout de suite de tester les nouveaux sur le tennis ballon. C'est ce qu'on fait avant chaque match, on s'échauffe tennis ballon. Et comme on vient tous d'endroits différents, on est tous fanats d'une équipe dans le championnat. Donc c'est histoire aussi un peu de se chambrer, tu vois, de parler foot et de s'amuser, surtout de s'échauffer, tu vois, parce que évidemment se préparer pour l'entraînement. Donc c'est un moment un petit peu ludique, un peu sympa. Il y a Benoît qui va arriver dans quelques instants aussi. Ben qui a un féru aussi tennis ballon. Donc ça va être sympa. Je vais les rejoindre. Oh mais non! C'est trop rapide! Ils entendent, ces jeunes! J'entends, ces jeunes, les amis, je vous dis! Chat, je veux pas en parler. Je veux pas en parler. C'est mieux de pas en parler. Faut le temps que l'équipe se mette en place. Un peu tendre le jeu. J'ai l'impression qu'ils sont mis à 3, jouer tous les deux. Je crois que ce sera pas mon coup de pied de la semaine aussi. Je c'est une partie, ça. Le mec, on a joué juste les mecs les plus monstrueux. C'est vrai qu'on vous a un peu appâté quoi. On vous a fait genre, ouais, vas-y les gars, on fait les deux des ballons. Au final, on s'est bien fait. T1 sur rapide. Mais franchement, agréable. Mais sur moi, je trouve qu'il fait pas trop froid dans la salle. Non, c'est chauffé, non, c'est bien, c'est agréable à jouer. Ouais, il fait chaud, c'est bien. Au moins, on skype pas. Mais les cours sont très rapides, surtout sur la ligne de fond. Ça a tendance à accélérer pas mal et à pas trop rebondir. Il faut être assez bas sur les jambes. Mais bon, là, au fur et à mesure, on arrive à s'adapter plutôt pas mal. Donc c'est cool et les terrains sont quand même bien. C'est à dire ouais. Là, au niveau de vos raquettes Moi je corde chez moi, j'ai ma machine. Ah ouais, okay. Vu que j'habite à 10 minutes là, donc c'est bon. Mais donc ouais, moi c'est bon. J'ai déjà tout mis dans la main. Je suis cordé là, j'ai donné 22, je vais voir un peu ce que ça donne. Et si c'est bien, je vais refaire corder demain matin. Ouais, tout. Après, ça dépend des machines. Sur les tournois, des fois, les machines sont différentes, donc les tensions sont un peu différentes. Donc je vais voir un peu et je vais corder en fonction demain. Ça dépend des balles, ouais, des conditions. Ouais. Je peux descendre à 21 en tension, comme monter à 24-25. Ça dépend vraiment des conditions, en fait. Ah ouais, t'es déjà monté à 25? Ouais, je monte plus haut des fois. Mais là, j'ai baissé en tension. Là, j'ai baissé, mais avant, j'étais un peu plus haut.
Et ici, je trouve que ouais, c'est, la balle, elle part bien, non? Ça part vite, non? De la raquette, tu trouves pas? Hein, Kiki? Hein? Ça part vite, non? Ouais. Les jambes, ouais, ça va. Pour l'instant, on n'a pas trop bouché. Ouais. On est bien. Dans l'axe, dans les diagonales, donc là, recherche de sensations. Super. Tout va bien, les jambes. Non, mais je bouge pas. Aussi derrière. Oui, aussi. Tu vas trop de mal. Oh, on revient 10 ans en arrière. Ouais, tranquille. Hein. Bonjour. Donc Lyon Marseille. Alors là, donc on a Ben qui s'entraînait avec Edouard là pendant une heure parce qu'on avait les terrains de 17 et 18 et après un terrain de jusqu'à 19h. Et ensuite on va se retrouver ce soir. On a réservé une table là sur Boulogne pour dîner tous ensemble. Et on va aussi décider de qui joue demain parce que il faut savoir qu'on a dans l'équipe on a 3 mutés, c'est-à-dire qu'on a 3 nouveaux joueurs. Et on a le droit d'en faire jouer que 2 sur une rencontre. Voilà, donc on a Benoît Legrenier et Kylian Jacquet qui sont nouveaux. Donc on a le droit d'en faire jouer que 2. Donc voilà, ce soir on va décider qui jouera demain. A priori c'est Benoît et donc Hugo, puisque ce sont les deux mieux classés, qui sont Hugo en plus très en forme, il vient gagner le tournoi de Rouen. Donc mais on va quand même discuter ensemble et prendre la décision collégiale, c'est toujours mieux. Et voilà, puis on va se préparer, on va parler aussi de la rencontre, des échauffements demain matin, de qui coach qui, parce qu'on sera deux sur la chaise demain, donc c'est Edouard capitaine et moi je serai aussi là pour être sur l'autre terrain, donc on va aussi définir qui coach qui, donc voilà, parler un petit peu de la rencontre, et puis comme c'est aussi nos retrouvailles, on peut parler un petit peu de tout quoi. Ouais, d'entraînement, ouais. L'échauffement, ouais, non, je suis bien chaud là. C'est un échauffement, ouais. Ouais. On a fait des points à la fin, et bien, c'était pas mal. Ouais, bonne sensation, ça a été bien, on n'a pas joué longtemps, mais c'était cool. Ouais, les repères, les trucs, le cours, les balles, tout ça. Prêt pour demain. Je pense d'abord il faut être passionné. Passionné, ouais, c'est la première chose, et après se faire plaisir dans ce qu'on fait, enfin dans tout quoi. Si on fait pas plaisir, ça devient un méchant. Donc surtout qu'il y a beaucoup d'entraînement, beaucoup d'investissement, donc ouais, faut se faire plaisir. Ouais. Moi jeune, j'étais très foot et tennis, les deux. Je me voyais pas mal, j'aimais bien les deux. Et après, je me suis plus engagé dans le tennis parce que je préférais sport individuel. Parce que j'étais pas trop sport collectif, donc je préférais le tennis. Je suis le tennis. Bah, jusqu'à 18 ans, moi j'allais à l'école. Je voulais rester dans un truc normal, avoir mes potes, rester dans mon cercle familial. Et c'est vraiment à partir de 18 ans que je me suis dit, je vais faire ça, je vais voir un peu ce que ça donne, je vais faire ça à plein temps, le circuit. Quoi. Donc c'est vraiment à partir de 18 ans que je me suis lancé à fond dans le tennis. Réussir, je sais pas, bah c'est beaucoup d'entraînement, beaucoup de trucs comme ça quoi. Donc, modèle, ouais, j'aimais beaucoup Thomas Berdic, le Tchèque, c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui m'a beaucoup pas mal inspiré, c'était un super joueur j'ai trouvé. Et ouais, j'aimais bien le personnage en plus, donc c'est quelqu'un qui m'a inspiré. Bah, je suis passé, je crois que j'ai débuté l'année 270 ou 280 et je termine 150, donc forcément c'est une bonne année. Après, les 6 premiers mois n'ont pas été forcément faciles. J'ai eu pas mal de pépins physiques, j'avais le Covid en fin d'année, donc j'ai mis un peu de temps à m'en remettre et j'ai pas eu de super résultats. Et c'est vraiment les 6 derniers mois où j'ai fait vraiment une bonne fin de saison. Mon niveau de jeu s'est vachement stabilisé. Donc ça, c'était une bonne chose et j'ai eu des bons résultats. Et notamment, voilà, j'ai gagné mon dernier tour de l'année à Rouen. Donc c'était la meilleure manière de gagner, de terminer la saison. Je suis jamais allé aux Maldives et ouais, c'est un truc qui me ferait rêver. Ouais, après les championnats peut-être. Non, je me suis reposé un peu déjà avant les championnats, mais en général j'aime bien. Je rentre chez moi souvent chez mes parents en fait. Je rentre jamais, donc quand j'ai une semaine en fin de saison, je préfère rentrer chez mes parents pour l'instant.
bah, quelqu'un de sympathique, abordable, voilà, c'est quelqu'un de classique quoi. Voilà, ouais, tout simplement. Je dirais mon service. Je suis assez grand, je suis 1m96, donc j'essaie de m'appuyer sur mon service. Défaut, des fois je peux sortir un peu de du match facilement s'il y a des injustices sur le terrain, des heures d'arbitrage, donc ça c'est un défaut que j'essaie de gommer. Au fur et à mesure. Bah moi c'est une fierté parce que je suis vachement attaché à ma ville. J'aime beaucoup, comme je disais, j'aime bien y rentrer, même si je rentre pas souvent. J'ai beaucoup d'amis encore. Donc je suis très attaché à ma ville et c'est une fierté. Mes objectifs pour l'instant, de continuer à me faire plaisir, prendre beaucoup de plaisir, c'est ça mon objectif et ce que j'ai réussi à faire sur la dernière partie de saison. Et après en termes de résultats, j'aimerais bien forcément me rapprocher du top 100 quoi. Merci. À demain. À demain. Salut. Salut. Ça va? Benoît va jouer, ensuite c'est Hugo Grenier qui va jouer en deux. Et donc Kylian Jacquet sera aujourd'hui pas sur la feuille de match puisqu'on n'a pas le droit d'en mettre tous les trois. Donc non, tout le monde est motivé, tout le monde. Ouais, c'était sympa, on a passé un bon moment et content de se retrouver. Ouais. Ça va, bien. Ouais, bonne nuit, ouais. Bien dormi, on a bien mangé hier, c'était sympa. Ouais, bon, c'est un peu découvert. On a bien rigolé. Grave, ouais, non, super, on a bien rigolé. On se couche tôt et en forme pour jouer aujourd'hui. Parce que maintenant, on est dans les embouteillages, donc on est un petit peu à la bourre. Et du coup, on va aller vite aller sur le cours. Les premiers matchs attaquent à 11h. On va pas traîner. Ouais. Ce que je trouve très intéressant chez lui, déjà, c'est son attitude, son état d'esprit sur le terrain. On sent vraiment quelqu'un de très zen, de très serein. En plus, c'est vrai qu'il a fait récemment, il a fait le plein de confiance, puisqu'il a fait une finale suivie d'un titre dans les tournois Challenger. Donc, il a une très belle évolution. Et donc, c'est vrai qu'on sent. Cette sérénité chez lui et cette force qu'il a en lui. Et j'aime beaucoup, après évidemment, il faut le voir en match, il y a toujours une différence entre les entraînements et les matchs, mais on sent quelqu'un avec une bonne assurance et ça c'est très intéressant. Il est grand, pour sa taille je trouve qu'il se déplace bien, ça c'est toujours les grands joueurs, s'ils veulent exister au haut niveau, il faut qu'ils aient cette capacité à bien bouger et à bien se déplacer sur le terrain, et ça semble être le cas d'Hugo, donc ça c'est intéressant pour lui, pour la suite, s'il veut évidemment monter dans le top 100, voire mieux. Et puis voilà, il est grand, il a un gros service, c'est sa surface de prédilection, c'est là-dessus qu'il a fait ses meilleurs résultats. Je pense que j'ai bon espoir qu'on puisse compter sur lui aujourd'hui à la fois en simple et en double. Voilà, mais il va avoir un très bon match à jouer, un bon morceau. Je pense que la rencontre, c'est 50-50, c'est difficile de savoir à l'avance qui va tirer sur la plaque du jeu. Mais Hugo, j'ai vraiment un très bon feeling avec lui, à la fois sur son attitude, son jeu, son état d'esprit. Je pense que c'est une très belle recrue pour nous, pour le championnat, puis pour la suite. Rome, c'est monsieur 94% de victoire en 15 ans de championnat. Donc c'est le maillon fort de l'équipe. Quand on doute de son équipe, il met Rome d'abord dans l'équipe. Ah, et puis après, il essaie de construire autour, tu vois. Il n'y a pas de pression, je vais prendre 1-1. On verra. Il est affûté, il s'entraînait avec son père là, pendant 3 semaines. Il s'entraînait avec son père à Brest. Je me suis mis au surf. Il faisait des sorties vélo, il fait du vélo, il est affûté. Il est équilibré, affûté, un mental d'acier. D'acier. Il s'est ressourcé au profond. Proche de la nature. Le bar rouge bordelais aussi, j'arrive. Il a mis son contrat avec Artengo, Takili, Nike, Asics. Il a mis tous ses contrats depuis 10 ans. 2010 à 2012. Ouais. Voilà quoi, c'est bon, on est en place. Artengo, Lacoste, Takili, Asics. Nike. Ben voilà. On est bien. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de championnat de France de Pro A. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'équipe de la Villa Primrose Bordeaux. On peut applaudir, s'il vous plaît. Ah.
Victoire, c'est bien. Ouais. Ouais, c'est cool. C'est... Bonne sensation. Ouais, bonne sensation. Franchement. Ouais, bah franchement, très bon match. Hein. C'est la première fois que je le rencontrais, hein, que je le voyais. Donc évidemment, je savais pas trop comment aborder le match, mais il a été très solide. Franchement, il a été super solide. Très bien servi. Il a su être bon dans les moments un peu chauds, comme dans un match à chaque fois. Donc non, même lui, il était content aussi. Faut qu'il progresse un peu au filet. Donc peut-être que si on est amené à jouer ensemble pendant 15 jours, peut-être qu'on va faire quelques volées. Mais non, très bon joueur, très bonne mentalité. Donc très content de l'avoir dans notre équipe. Il a fait un bon match, il était content. Donc voilà, c'est de bonne augure pour la suite. Ouais, Enzo, je le connaissais. Du coup, j'ai pu donner quelques petits conseils tactiques sur Enzo. Voilà, mais dans l'ensemble, il a bien maîtrisé son match, Hugo, donc c'est ça qui était bien, il était satisfait de son match, il a su être très solide du début à la fin, et voilà, donc maintenant, repos, il y a Benoît qui va jouer, et puis on verra pour le double après. Il jouera le double, Hugo, du coup? Ouais, il jouera le double. Voilà, après, ça part ma performance, et puis de toute façon, voilà, avec son niveau de jeu de base, c'est sûr qu'il jouera en double. J'ai plutôt fait un match solide, j'ai bien servi donc je suis vraiment content parce que c'est jamais facile, premier match avec l'équipe de Primrose pour moi. Donc je suis super content de m'en sortir en 2-7 contre Enzo qui joue bien. Donc voilà, maintenant on est à 2-2 après les simples, donc on va faire le maximum pour amener au moins un double, voire les deux. Donc là tu joues au double aussi? Ouais, je vais jouer le double, en principe je joue avec Ben en numéro 1. Et derrière, en double 2, ils vont mettre Ruben et Romain. C'était sympa moi de jouer avec Ben.
s'est plutôt bien goupillé. Franchement, on a fait un match solide, donc content. Et en plus, l'équipe vient de gagner 4-2. Donc super heureux de partir avec la victoire. Ouais, ça fait du bien, c'est vrai que c'était sympa ce double. Voilà, on a pris beaucoup de plaisir, on a fait des beaux points, ça jouait très bien, je trouve qu'il y avait un super niveau de jeu. Donc c'est bien de gagner ces matchs-là, en plus à 2-2, après on se retrouve à mener 3-2, on vient voir les collègues qui gagnent encore. Donc honnêtement, c'est une super journée. Ils sont tenants du titre, Villaprimoise, moi je viens juste d'être recruté, donc on va essayer de faire la même chose cette année et prendre du plaisir surtout sur le court, et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Pour résumer, c'était une boucherie. J'adore. Super double franchement de Benoît à Hugo, ils ont vraiment été bons. Putain, je suis en interview. C'est pas mal. Je vais prendre un petit McDo pour après le tennis ballon. Ouais, menu Big Mac. Ouais, normal. Coca, un bon Coca. Voilà, c'est la pub. On est pas... Bah voilà, McDo, je sais pas si ça passera, mais voilà, pub McDo. Voilà. Donc je disais le... Non, super double franchement. Agréablement surpris. Voilà, je savais pas trop comment Hugo il jouait en double, parce qu'il m'avait dit qu'en simple il aimait pas trop aller au filet tout ça. Et finalement, bon, il a super bien servi, bien retourné. Il a été agressif aussi au filet, donc ils ont fait un super match. Voilà, moi j'ai rien à dire. J'aurais juste dit restez vigilants, continuez comme ça. Et j'ai rien à vous dire. Allez, ils ont vraiment bien joué. Et on finit par une belle victoire, donc génial, une super journée. Super journée, je suis vraiment content d'avoir gagné simple et double, personnellement. Et là, super, on finit, on gagne la rencontre, donc franchement, je suis super heureux. Et là, on va vite terminer avec un tennis ballon et manger un petit McDo, ça va être sympa. Merci à vous. On se retrouve samedi, du coup ? Ouais, samedi à Bordeaux, c'est ça. Allez, merci Hubert. Non, je peux pas. Arrête, tu es avec moi. Regarde ça! Et attends, je vais vous montrer comment je vais faire. Oh, vas-y, fais-toi plaisir! Oh!